Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous pas font référé pour nous contester toute action ancien commissaire du gouvernement déposé. Nous faisons action en référé juste pour être capable de lever interdiction de départ que M. Temeté maladroitement contre un Premier ministre là, au mépris de l'article 90 du Code pénal haïtien. Nous avons fait ça, la loi mettait à la disposition nous comme avocats professionnels. Nous avons signé en référé. Au lieu que nous demandions des commissaires du gouvernement pour le faire une rétractation pure et simple, nous parlons de monde, nous servir avec pouvoir nous pour nous orienter décision nous. Nous avons signé les instances concernées. Le commissaire du gouvernement venait nous plaider contradictoirement ensemble avec nous. Nous fait l'exposition des faits et des moyens, quitte à ce que le commissaire a demandé doyen, puisqu'il constatait vraiment t'es gagné une illégalité, t'es une action arbitraire qui t'est posée à l'encontre de la personne du Premier ministre. Donc, doyen rétracter décision que nous-mêmes nous gagnons là. Nous gagnons une décision là qui mandait pour immigration accepter lever interdiction de départ que commissaire, ex-commissaire Bedford t'émettait avec précipitation hors toute cadre légal. Là, nous avons une décision, nous n'avons nous. Nous pas demandé au commissaire là, pour lui-même lui prendre une décision sur ce qu'il a fait. C'est sûr, il y a des gens qui t'a pas dit, Premier ministre Serga et commissaire Lee, il a retiré le commissaire Bedford pour le capable de l'affaire du tout. Ça, c'est signe qui voyait, qui fait qu'on est aujourd'hui là. Ce n'est pas une graine autorité qui agit, mais c'est composition du tribunal. C'est lui-même comme Premier ministre. Les suivre trace la loi ou même cap garder me là je dire dit tout ce gagné qui a rapport avec la justice li pas fait à côté li pas fait dans antichambre la fête Jean la loi mandé pour le faire et c'est pas pour rien premier ministre envoyé premier signal ça actuellement c'est lui même qui chef de gouvernement tout l'autre monde de près ou de loin qui t'a indexé dans un dossier ou bien dans un autre la bien pour répondre à la question de la justice. Décision automatiquement les rendre à partir de signification. C'est ça, il y aurait l'opposabilité au tiers. Qu'on y est là devant nous d'autres, devant la presse. Moi, je parle signifier Jean la loi m'a dit pour me faire. Et à partir de jeudi là, interdiction de départ, il est tombé, il n'est pas existé encore, ni en fait, ni en droit. La loi bali provision pour l'annuler. Li annuler au nom de la loi et non pas par volonté. Et il y a l'autre bagaille qui est en dedans, il y a l'autre décision, il y a l'autre réserve qui est en dedans décision. Ce n'est pas à moi-même comme avocat pour me dire, mais comme décision à public, grand public là, valide, il y a tiré conclusion qui gagne là-dedans. Bon, Office national de la migration qui gagne pour mission d'accueillir les migrants de retour forcé. Puisque nous avons été formellement informés via le ministère des Affaires étrangères et des cultes et que ONMT prend toutes dispositions nécessaires et même indispensables justement pour être capable de faire face à série de déportations. Mais une petite précision que nous avons mis, ce n'est pas pour la première fois à gagner de compatriotes qui ont sorti aux États-Unis d'Amérique non façon ça pour rentrer sous sol là. Donc, il y a un rythme plus ou moins régulier avec surtout les États-Unis d'Amérique, côté que chaque deux fois dans un mois, justement, ONM toujours accueille des migrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Maintenant, pour cas précis ça, il est clair que quantité haïtienne que ONM a gagné pour les recevoir varier entre 10 000 à 14 000, sur une courte période bien entendu. Les gens ont déjà dit, c'est des monde qui, en situation de migration irrégulière, qui ont essayé d'entrer sous territoire américain
sans que vous n'ayez pas un papier légal pour être capable de faire ça. Eh bien, par contre, depuis dimanche, ONM a commencé à accueillir et c'est ainsi que nous avons eu 3 vols dimanche dernier. Côté que le premier vol, là, il était accusé au nombre de 99 passagers à bord, donc nous recevons 99 monde. Deuxième vol, là, aux environs de 2 heures, nous avons accueilli 102 personnes. Et troisième vol, là, dans le finissement de journée, ONM est arrivé à accueillir 126 personnes pour dimanche. Donc ça a été fait 327 monde que l'Office national de la migration est arrivé à accueillir. Répartition a été faite comme ça, 104 femmes, 97 hommes, 126 enfants qui ont même été répartis de cette manière, 64 filles et 62 garçons. Maintenant, ça n'a pas tapé là, puisque hier lundi encore, tapé la déportation. C'est ainsi que sur 3 vols qui étaient supposés rentrer à Haïti, tu as gagné 2 qui étaient rentrés. Et premier vol, il était gagné à Borly, 128 passagers, dont 45 enfants, 45 femmes et 38 hommes. Donc voilà pour le premier vol d'hier. Alors ce que aux environs de 3 heures, nous t'apprends à recevoir un deuxième vol, là, qui lui-même t'apprends à gagner 105 personnes à bord. Donc pour journée, là, nous recevoir 233 passagers, alors que dans dimanche nous avons recevoir 327, ce qui fait un total de 560 passagers, alors migrants de retour forcé, bien entendu, que l'Office national de la migration lui-même est arrivé à accueillir au niveau de l'aéroport Toussaint Louverture. Mais à vous dire le vrai, ONM pas seul, puisque gagné justement un collabo entre ONM et OIM qui bel et bien existait au gré de migrants, parce que OIM portait apport pali, surtout apport financier, justement pour permettre que migrants soient capables de croire subvenir à certains de leurs besoins dans le premier moment que ils ont pilé sol haïtien. Et là également, il faut saluer la primature qui lui-même décide de monter en task force, bien entendu, à travers le PM Ariel Henry, côté que gagnent des ministères, tant que ministère des Finances, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, alors des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère du Commerce, ministère de la Santé publique et de la Population, ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, ainsi que l'Office national de la migration, ONM. Donc voilà, c'est task force ça qui montait pour que nous venions avec des réponses ponctuelles concernant problèmes ou encore desiderata que migrants sont capables de faire face. Donc, pratiquement, puisque nous parlons de 10 à 14 000 migrants de retour forcé que ONM a bien pour le recevoir, ça veut dire un jour qu'ap vini yo à partir de demain, rythme vol yo, une bonne garantie à multiplier. Côté que déjà il y a une prévision qui fait au niveau de la ville du Cap pour que nous accueillions 3 vols. Au contraire, ap gagné 3 vols également au niveau de Port-au-Prince. Ça veut dire 3 vols sur Port-au-Prince. Donc ça a fait 6 vols. Plus ou moins chaque vol entre 120 à 135 personnes. Donc nous sommes capables de une idée de quantité haïtien par jour que nous avons gagné pour nous recevoir. Son chiffre vraiment qui est allé au-delà de 500 haïtiens par jour. Nous sommes capables accueillir à travers nos 2 aéroports internationaux. Pratiquement, nous sommes à la fin de l'exercice fiscal. Nous n'avons pas pensé à une telle situation. Ça veut dire que le ministère des Finances, au niveau de Task Force, c'est pour permettre que nous ayons normalement un budget plus ou moins qui est capable de répondre à besoins mondiaux. Ensuite, ministère Santé publique, parce que nous sommes à l'heure normalement de coronavirus. Et pas plus tard que hier, et dans 2 vols, nous avons reçu voyons, quoi que 3 et sur 233, oui, voilà, personnes, il y a 3 là-dedans qui ont même été arrivés et testé positif. Et je crois que le ministère de la Santé publique lui-même il est en prise en charge. Le ministère du Commerce, pour qui ça, c'est parce que toujours il y a des programmes sociaux que le ministère ça lui-même l'a essayé
piloté. Alors, à travers l'équipe de suivi ONM, lorsqu'il va gagner, pour le chita avec les migrants de retour forcé, parler avec eux, ouais, qui problème nous gagne, bonne garantie, le ministère du Commerce est capable d'implémenter le programme Sahara pour côté Mounio pour permettre que soient capables de gagner des activités génératrices de revenus. Fort heureusement, tout le monde a l'attitude pour rentrer la caillou. Il y a la caillou dans le moment où on a parlé là. Et déjà, nous avons flash concernant notre travail équipe suivie. Hein. Nous sommes bien contents que tout le monde a été arrivé la caillou. Pas gagné aucun monde parmi 560 salariés ou un homme arrivé hébergé parce que tout le monde qui a été appelé, il a parlé à la famille. Il a gagné la famille qui a été cherchée depuis l'époque là. Bon, pratiquement, pas oublier que nous-mêmes, nous décrétons la permanence en ce qui a trait à des campagnes de sensibilisation de porte à porte pour que nous soyons capables de parler avec la population, faire comprendre les nécessités qui gagnent, pour que nous t'as fait voyager de façon légale. Parce que quand voyager fait de façon clandestine, vous faites dans l'illégalité, et bien retomber souvent néfaste, que j'en ai pas assisté là. Autrefois, parmi les migrants nous recevons, mais écoutez, il y a un qui dit nous les dépenser environ 17 000 dollars américains pour arriver à aller, arriver côté le TDA. Donc c'est pour nous montrer que on est capable des fois de vendre tout ce qu'on gagne, on dépense tout ce qu'on gagne, et puis l'on aller, c'est échec qu'on prend, ou retourner. Et l'on retourner, je vous garantis, on vient plus mal. Et si on vient plus mal, on rend pays à tout, on vient plus pauvre. Donc, imaginez que nous avons gagné 10 à 14 000 personnes que nous avons recevoir dans conditions ça que nous avons recevoir, nous avons garanti que le pays a eu plus de problèmes, plus de panique, plus de difficultés. Au lieu de nous organiser des voyages clandestins, côté que nous dépensons tout ça au gain, et puis nous courons le risque également, même sous vie, parce que nous connaissons pile nos compatriotes, nous, malheureusement, qui quittent pour eux dans des forêts, gagnent bêtes mangées, gagnent violées, filles ou garçons. Donc, c'est une situation infernale. Donc, voilà, à travers nos campagnes de sensibilisation, c'est parler avec la population, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, j'en ai dit, de porte à porte, dans la section communale, à travers nos tables, à travers l'organisation de défense des droits des migrants, à travers l'église, à travers Péristyle. Donc c'est nous toutes nettes, en un mot, qui supposons mettre les mains pour nous commander à faire, pour nous sensibiliser nous au maximum, pendant que l'État et l'autre secteur vitaux dans la vie nationale, là, a plein main pour permettre que gagner opportunité d'emploi, une sécurité qui t'habite dans le pays, parce que c'est deux principales raisons nous bail qui fait que yo courir quitter Haïti. Moi où tout se passe là dans le cadre d'activité vigilance et monitoring que GAP réalisé dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine, nous t'arrivé observer quand on quantité migrants haïtiens qui vivent sous frontière. Monde qui vivent sous frontière, c'est monde que la République dominicaine choisit pour retourner. Ça on relé des rapatriés et puis gagne tout des monde qui choisit retourner la caillou de façon spontanée. Nous relé monde ça, nous ça des retours spontanés. Nous gagne environ 25 823 monde que nous t'ai enregistré qui entré sorti en République dominicaine qui vivent sous frontière dans durant tout mois août là. Et monde ça yo parmi eux, il y a 1666 rapatriés. Parmi 1666 rapatriés, il y a 998 garçons, 142 femmes, 4 petites filles et puis 22 petits garçons. Et puis pour les gens qui retournent spontanément, les gens qui choisissent de retourner la caillou sans que pas forcer ou forcer, c'est 24 657 en tout. Parmi eux, il y a 13 346 garçons, 8513 femmes, 1225 petites filles à 1573 garçons. Et c'est des mondes que la République dominicaine prend soit dans le lieu de travail, soit dans la rue, soit dans le marché, mais quel que soit côté où je nous des fois qu'on vient dans la communauté côté mon vivre et puis on ramasse les haïtiens qui trouvent vivre dans la communauté paisiblement et on vient avec eux sur la frontière, on lague dans la frontière ou bien on remet les autorités haïtiennes qui trouvent sur la frontière. Si toutefois, on vient dans leur côté que il y a une autorité qui est présente dans la zone. Dans le même sens, nous essayons de dénoncer tout et comportement et autorité migration dominicaine qui, des fois,
violer droit migrant haïtien dans le moment rapatriement yo des fois yo kon maltraité yo yo battu yo yo volé bagage qui gagne dans main yo et des fois yo kon rapatrié au-delà de l'heure qui prévoit dans protocole rapatriement qui signé entre Haïti avec République dominicaine parce que dans l'année 1999 deux pays yo té meté yo d'accord pour yo capable signer un protocole d'accord qui dit mais qui gens rapatriement doit fait mais à qui l'heure mais qui côté mais cependant République dominicaine pas respecté protocole ça côté que li fait rapatriement après l'heure qui prévoit dans le protocole là il fait un lieu qui pas prévoit dans le protocole là et ça c'est des bagages que nous mêmes nous dénoncer dans niveau groupe d'appui capable groupe capable rapatrier avec réfugiés gars dans même sens ça tout nous mandé autorité haïtienne pour capable exiger à autorité dominicaine pour respecter protocole ça parce qu'il était signé ensemble le supposé respecter lui pour capable traiter migrants haïtiens comme ça doit dans moment à faire rapatriement. On encourage autorité haïtienne pour capable mander autorité dominicaine prendre mesure pour éviter que type de violation ça même toujours continuer à faire sous migrants haïtiens dans moment rapatriement ou bien dans moment que appréhendé dans la rue ou bien dans zone de travail. Même dans gars nous avons dénoncé toute situation qui gagne dans ville et qui dans frontière Haïti avec dans frontière et États-Unis avec Mexique côté gagne pile et migrants qui trouvaient en difficulté parmi eux gagne pile haïtien dans yo côté moun yo nous trouvaient dans situation humanitaire qui très grave et ou pas gagne assistance c'est quelques grandes organisations qui présent dans zone dans KPCI porter assistance à eux-mêmes nous mandé pour autorité haïtienne qui trouvaient dans pays Mexique autour qui n'a consulat haïtien ou bien qui n'a ambassade haïtienne qui trouvait dans le pays Mexique pour capable bailler un accompagnement approprié à migrants qui trouvaient en difficulté parce que pour le moment on commence à voyer venir en Haïti et nous mêmes dans gare nous a essayé veiller à ce que droit migrants eux-mêmes respecté de concert avec l'autre organisation qui travaille qui milite dans faire promotion avec défendre droit migrants n'a gagné dans qui moyen nous capable porter un accompagnement à groupe haïtien ça qui déjà arrivé sur territoire qui vini des bras balancés avec timoun et nan men yo qui pa gen rien nan men yo comme ressources parce que tout ti avoir yo te gen yo perdu net sou pa quelqu'un qui décapitalisé qui pa gen moyen économique pour capable reprendre la vie miyo et boyisit et n'a mandé autorité haïtienne yo qui boyisit tout pour capable bay bon gens accompagnement à tout migrant sa yo qui vivait sur territoire qui sorti dans pays et Mexique pour capable et permettre que yo tabli yo bien pour mettre au plus bas non seulement protection mais sécurité et plutôt assistance que Kayo même yo nécessite. Bienvenue à vous nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Bienvenue à vous nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Nous avons l'insigne honneur en ce premier jour de classe de vous accueillir à l'école nationale argentine Bellegarde dans le cadre du lancement officiel de la rentrée des classes pour l'année académique 2021-2022. En ma qualité de directrice de l'école, en accord avec mon staff, nous ferons de notre mieux pour assurer la gestion efficace de cet espace et la prise en charge des enfants qui nous sont confiés. À cela, nous souhaitons vivement l'encadrement et l'accompagnement du ministère de cette initiative pour le bien des enfants. À cette phase, nous convions tous les responsables, les parents, les enseignants, les directeurs d'école et tous ceux qui œuvrent d'une façon ou d'une autre dans le domaine de l'éducation à s'investir équitablement pour que cette année soit fructueuse malgré les hauts et les bas du moment. Nous demandons d'abord aux parents d'encadrer les enfants et ensuite aux enseignants d'être patients dans la transmission de leur savoir. Et enfin, aux élèves d'être assidus pour une année scolaire réussie. Comme il convient de dire, enfants d'aujourd'hui,
citoyen de demain. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le directeur départemental, nous saisissons cette occasion pour offrir ces bouquets de fleurs exprimant notre joie et notre gratitude. En ce mardi 21 septembre 2021, jour consacré à la réouverture des classes, même si c'est dans un contexte assez difficile, nous, les élèves de l'École nationale Argentine Bellegarde, sommes heureux de retourner en classe et profitons de cette occasion pour offrir ce bouquet de fleurs à notre valeureux travailleur, Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour ses bons services rendus à la société. Merci à tous. Ensuite, Shinaelka Millien, une fleur pour la ministre. Madame Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, au nom de tous les élèves de l'École nationale Argentine Bellegarde, je vous offre ce bouquet de fleurs en signe de gratitude. Merci. Et finalement, Edwin Désir, une fleur pour le directeur du département d'éducation de l'Ouest. Nous, les élèves de l'École nationale Argentine Bellegarde, profitons de cet événement pour offrir des fleurs à notre heureux travailleur, qu'est le directeur départemental de l'Ouest, M. Ernest Clergy. Au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et en mon nom personnel, je souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de lancement de l'année académique 2021-2022, placée sous le signe de la solidarité éducative. Pouillons l'école tête ensemble. La présence du Premier ministre et des membres du gouvernement ne fait que souligner l'importance que la plus haute autorité de l'État haïtien accorde au secteur de l'éducation en général et au devenir de la jeunesse haïtienne en particulier. Cette cérémonie est symbole de plus d'un titre. Tout d'abord, elle nous permet d'honorer la mémoire de l'éducatrice hors pair, de l'humaniste engagé que fut Argentine Bellegarde, fille de la cité du drapeau, cité symbole de l'unité qui nous conduisit à notre indépendance. Femme de conviction qui s'attela à l'éducation des jeunes filles du pensionnat national des demoiselles de Port-au-Prince, à la tête duquel le président Salomon l'avait placée en 1880, poste qu'elle ne quitta que 23 ans plus tard à son décès. Cette cérémonie permet également de célébrer la renaissance de l'École nationale elle-même qui revient dans ses locaux flambant neufs, ces nouveaux locaux qui devront accueillir le nouvel élan de cet établissement fondamental complet avec également 3 années de préscolaire selon le modèle 9-3 du ministère, c'est-à-dire capable d'accueillir 9 années du fondamental et 3 années du préscolaire, modèle qui porte et renforce le message sur l'indispensable place de l'éducation préscolaire dans le développement harmonieux des élèves haïtiens. Premier ministre, ministre, directeur général, directeur de l'École nationale Argentine Bellegarde, à tout professeur dans l'école là, tout invité, moi prends un moment pour moi saluer parents élèves dans l'école Argentine Bellegarde là, ensemble à toute maman à papa petit dans pays là, pour qu'aucun effort yo fait pour jodi a si moun yo vin l'école. Au champ pour courage nous à volonté nous, au champ
pour gens nous quoi nan voyer nan valeur l'école. Moi connais gens tout monde voulait li bagayo pas facile nan gros moment crise n'a vive là. C'est peut-être ça nous continuer à déployer développer programme dotation livre à programme kit scolaire yo pour aider maman et papa petit dans affaire voyer ti moun yo l'école. Gère ta qui prend mais dans quelques jours n'a recevoir bonne nouvelle kit scolaire yo a commencer distribuer faut ti moun yo joindre livre à fournisseur classique qui pour permettre yo apprendre plus bien. Même si parents a fait sacrifice, faut tout professionnel dans l'école yo a fait devoir yo. Faut y a fait travail yo, payer yo pour yo faire. Professeur, directeur l'école, inspecteur, fonctionnaire dans direction départementale yo, dans bureau central ministère. Faut yo tout fait travail yo pour l'école la marcher. Ça veut dire l'école la marcher, ça veut dire élève yo apprendre, élève yo passer dans examen. Ça veut dire faut que tout le monde respecte règle jouette là dans tout niveau. C'est ça yo relé une bon gouvernance système là. C'est ça qui pour faire, c'est ça moi prend engagement comme ministre m'a occupé. Faut que tout le monde vive dans travail dans l'air y a ton yo. Faut tout professeur faire couyo li fè yo jou pou li fè yo nan lè nan orè yo. Faut li wè sa ki nan programme ministère adopté. Faut directeur l'école yo fè supervision professeur yo. Ça nous relè supervision pédagogique là. Faut directeur l'école yo remettre ministère à tout document yo mandé yo nan date yo ba yo. Faut bureau central fait travail parler. C'est ça qui pral montrer administration système nan a fonctionner. Nan année 2021-2022 chaque monde, chaque fonctionnaire prend responsabilité yo pour l'école la marcher, pour ti moun yo apprendre, pour pays a ka changer tout bon vrai. On nous tout bay l'école là chance li. Maintenant nommé inspection générale ministère yon rapport sou ki jan pou yo veye tout sa moun sot di la yo fait tout bon rapport sa fok yo parel nan 2 mois fok solution yo bay fok yo commencer impliqué nan mois décembre nan 2021. M'a demandé directeur départemental ouest là pour lui préparer un plan pour l'école nationale Argentine Bellegarde rentrer dans un réseau à 10 autres écoles pour qui dans zone là pour yo faire ensemble avec l'école dans zone là l'école nationale Argentine Bellegarde là ministère a tann rapport dans même direction départementale ouest là l'an un mois. Il nous faut penser encore et toujours à distinguer l'excellence académique. C'est la raison pour laquelle nous devons revenir aux cérémonies destinées à honorer les lauréats des examens. Il nous faudra également déceler de jeunes talents par l'organisation de concours thématiques pour les élèves de lycée et de collège. Une proposition dans ce sens sera soumise par le MEF au gouvernement. Moi pas qu'à continuer sans pas dire ça moi pas parler sous situation l'école qui dans grand sud là. L'école ça yo subit en pile dégâts dans tremblement de terre 14 août là. Ministère éducation nationale a tout l'autre membre commission interministériel premier ministre l'ont créé a y a travail pour rester pour faire l'école grand studio recommencer fonctionner à partir de 4 octobre 2021 même si yo pa
pas reprendre les affaires de l'école là direct, direct. Il y a travail sur ça. Il y aurait les activités psychosociales pour aider à gérer le drame au vivre là dans le 14 août 2021. Le moment ça, on a demandé pour nous faire un petit minute de recueillement pour les victimes du tremblement de terre dans le Grand Sud là. Que l'année académique 2021-2022 soit aussi l'année du dialogue renouvelé dans le respect. À vous tous, membres de la communauté éducative, je vous souhaite une fructueuse et dynamique année académique 2021-2022. Vive l'école haïtienne, vive la nation haïtienne. C'est avec une grande émotion que je préside cette cérémonie de lancement de l'année scolaire 2021-2022. Cette année scolaire est particulière à plus d'un titre, puisqu'aujourd'hui, seuls les élèves de 7 des 10 départements géographiques du pays sont concernés par cette rentrée scolaire du 21 septembre 2021. Car, dans 3 départements du Grand Sud, du moins frappés par le signe du 14 août dernier, les élèves ne peuvent pas encore reprendre le chemin de l'école et la rentrée pour eux étant différée au 4 octobre prochain. Cette année est particulière. Elle l'est ensuite par la persistance de la pandémie du Covid-19 qui a ravagé encore le monde, tant dans sa forme originelle que dans ses variants. Et ici, je voudrais m'arrêter. Ndavle dis-nous, prends vaccin contre Covid. Prends vaccin contre Covid. Tous ces facteurs nous invitent chaque jour à la vigilance et à l'observance des mesures barrières, étant il est important, voire capital, qu'il faut saisir les opportunités de vaccination. Cette année est aussi particulière par la situation sociopolitique et économique difficile que traverse le pays. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé et combien mérité aux parents d'élèves de nos 7 départements géographiques concernés par la rentrée d'aujourd'hui, lesquels ont consenti l'effort nécessaire dans cet environnement difficile pour répondre à ce rendez-vous éducatif. Maman et papa petit, pays d'Haïti, respect pour nous. Respect pour courage nous. Respect pour détermination nous. Respect pour nous toutes qui croient Timounio, c'est avenir pays. Nous pas qu'à chita n'en fait politique et éducation petite nous. Faut que nous baillons l'école là une chance. Pour nous, toutes qui invitées dans la cérémonie ça, pour nous toutes qui suivent tout partout la cérémonie ça, nous connaissons qui j'ai maman et papa dans le pays d'Haïti qui dans l'école. Yo quoi c'est plus bon chemin pour aider petite yo faire progrès dans la vie yo. C'est plus bon chemin pour aider petite yo pour apprendre ingénieur, plombier, mécanicien, professeur l'école, comptable, administrateur et latrier. C'est dans l'école pour joindre une chance pour demain petite yo capable occuper gros fonction dans pays a et puis ka occuper yo tout tant que président Jovenel t'es toujours répété. Là, tout un peuple mettait l'espoir sous l'école pour changer la ville. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse effort pour l'école là marcher plus bien. C'est peut-être ça, je vous dis. Je m'a demandé à tout personnel qui travaille dans le secteur éducation pour faire effort pour l'école marcher plus bien.
faut que tout le monde prenne responsabilité. Je lance aujourd'hui un vibrant appel aux directeurs et aux professeurs. Aucun sacrifice n'est trop grand dès qu'il s'agit de meubler l'esprit de nos enfants. Je sais que la tâche est difficile, très difficile, voire ardue. Tout en tenant compte des aléas, je demeure convaincu que vous êtes prêts à faire l'impossible pour boucler le programme établi par le ministère. C'est un atout pour tous nos élèves, pour qu'ils aient plus de marge en vue de réussir les examens. Inspecteur l'école, faut nous qu'à visiter l'école, faut nous organiser formation, bon champ formation pour directeur l'école à professeur. Au-delà de ma plaidoirie pour un enseignement de qualité, tant dans nos institutions privées que publiques, je demande aux responsables du ministère de prendre toutes les dispositions en vue de normaliser le statut des professeurs en situation irrégulière. C'est un problème récurrent. Il en faut un traitement célèbre et efficace de ce dossier. C'est inadmissible et même inhumain que nos enseignants continuent à subir ce genre de traitement. Comment alors puissent-ils fournir tout le rendement exigé s'ils n'ont pas de lettre de nomination, donc pas de salaire pendant plusieurs mois sur plusieurs années? J'espère que la ministre en fera sa priorité. Il est important que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renforce le curriculum et améliore la qualité des programmes pour que ceux-ci soient mieux adaptés à la réalité. Faut que l'école fait exercice simulation sur qui ça qui pour élève yo fait les catastrophes naturelles pour arriver ou soit arriver. Faut que l'école là aide Timounio à toute société à préparer pour ça. C'est pas dans bouche seulement pour ça parler. Faut que chaque trimestre dans toute l'école dans le pays a exercice simulation faite. Et puis, pour ça compter comme j'ai une note dans le carnet élève. Nous ne pouvons pas arrêter tant prochaine catastrophe là avec deux bras nous croisés. C'est pareil pour nous parler, tant que camarade a toujours répété ça. À vous tous, je souhaite une fructueuse année scolaire 2021-2022. Vive l'école haïtienne, vive Haïti. Mesdames et messieurs, les participants à cette cérémonie de lancement de l'année scolaire, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer le souvenir attaché à cette école toute particulière, l'école nationale Bergane, où le sang a coulé le 29 novembre 1987. Je tiens à rendre un vibrant hommage à celles et à ceux qui ont perdu la vie en venant accomplir leurs devoirs citoyens avec leur bulletin de vote en main. Plusieurs de nos concitoyennes et de nos concitoyens furent également victimes des scènes de violence qui se sont déroulées sur les lieux du drame. C'est l'occasion de réaffirmer l'attachement du gouvernement que je dirige à un processus démocratique et à l'établissement de conditions adéquates pour la tenue d'élections libres, honnêtes et transparentes. C'est le vademécum de mon gouvernement et ses efforts de dialogue inclusif pour une sortie de crise par les urnes s'inscrivent dans cette vision. C'est dans ce sens que j'ai signé récemment cet accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire avec des représentants des différents secteurs de la vie nationale. Violence
pas doué la donne. Donc c'est avec toujours même plaisir, même motivation pour nous capables de retourner à l'école. Nous avons toujours concentré nous, même gens nous avons concentré nous l'autre année pour nous capables de passer la classe là avec brio. Comme nous sommes meilleurs lycéens, nous avons toujours travaillé pour nous capables de représenter le lycée. Nous souhaitons c'est une année académique de succès pour tout le monde capable de réussir. C'est avec un sentiment de contentement que nous retournons à l'école là. Ça prouve que c'est ça qui fait nous venir le premier jour. Si nous n'êtes pas vraiment contents, nous ne pas venir le premier jour parce que nous connaissons pas vraiment jeune professeur. Nous contents, nous avons des amis, nous avons des élèves qui sont avec nous. Tout ça, nous avons besoin de nouveaux programmes que nous avons bien. Bon, pour l'année académique, la promotion philo noir qui c'est intrépide, nous souhaitons que pour l'année ça, il s'est abaissé 100% comme nous sommes habitués à bailler. Je me retourne avec un sentiment de joie parce que nous avons passé 3 mois la caille, nous avons manqué, nous avons envie. Alors nous tous les amis, nous avons envie. Je suis content parce que je me retourne et je suis une nouvelle classe. Je souhaite que tout ça va apprendre moins, que moi apprendre bien. Bon, c'est toujours un accueil chaleureux et que tant que l'élève la saudio, toujours gagne enthousiasme pour l'élève retourner à l'école. Et parce qu'après un certain temps, passer à la maison, au final, vous sentez fatigué, il y a la lassitude. Donc il y a toujours l'envie de revenir et que pour les retrouvailles. Donc c'était vraiment bien, mais malheureusement, ce n'est pas la grande foule. Et comme d'habitude d'ailleurs, et parce qu'il y a la situation économique, donc c'est le paramètre premier qui expliquait, n'est-ce pas, et situation ça, à côté que élèves, ils n'ont pas vraiment presque répondre, ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est surtout la situation économique qui est à l'origine. Année académique, là, c'est souhait, parce que tout directeur, et moi en particulier, que l'État a passé sans heurts, sans difficultés, sans cassure, que nous t'a gagné, que pas t'a gagné, des dérapages, que élèves, ça fait quelques années, depuis que nous pas gagné, ils ont année au complet, et que l'année est toujours interrompue. Donc nous avons souhaité que nous n'avons pas gagné des turbulences sociopolitiques qui n'ont pas gagné des incidences comme d'habitude sur l'année scolaire parce que au final ce sont les élèves qui sont toujours les principales victimes. Très disposé et disponible pour me recevoir, mais il paraît que la situation économique par an, yo, yo pas venu en grand nombre. Ok, si quelques minorités sont là, c'est ça me gagne. Je souhaite que, à partir de demain, si Dieu veut, je gagne plus encore, je gagne davantage. Oui, il est toujours comme ça. Dès le premier jour de classe, si je suis toujours très content pour retourner à l'école avec des uniformes neufs. Ok, j'ai rencontré d'autres amis, j'étais très content. Donc, je ne sais pas pour les jours à venir, comment Bayou va finir pour nous. Et l'école a pu rentrer ici en Haïti. C'est tellement pour une certaine catégorie. Tout le monde va venir à l'école en même temps. C'est au fur et à mesure. Mais ce matin, nous gagnons capable de dire un effectif à près de 30% qu'il a. Et professeur était là tout, au niveau 3e cycle. Nous avons 3 professeurs qui étaient là, qui travaillent. Et nous avons une qui était là qui va le faire 2e temps. Et l'autre va le venir. Bon. En gros, on est là. Donc, date butoir. 21, on n'a pas le choix. Donc on commence à recevoir les enfants et on continue, on les attend. Ainsi que les professeurs. Restez là qu'à la bafine Bobouyo. Et m'a songé, j'ai gagné un petit courir dans la rue avant l'école la fermée. Je t'ai voyé les vieux aller, puis j'ai un qui dit, directeur ou dérangé. Je dis ça passe un petit fois là quand je dis directeur ou dérangé, c'est l'âme qui prend repos. La caille même pas à vivre. Mon élève est en 9e année. Et c'est à ce moment qu'il m'a raconté qu'il venait du Bel Air. Il dit c'est l'âme qui me repose, c'est l'âme qui a chita, c'est l'âme qui a arrêté. Donc, espace l'école là, c'est pour l'élève. Et là, il se sent en sécurité. Même là, ce n'est pas même bagaille, on sait de l'autre zone. Mais les petits dans l'école là, au moins, ils sentent qu'ils sont en sécurité. Donc, espace là, il est ouvert pour eux. On les attend. Et au fur et à mesure, c'est ce que vous allez venir. Ça m'a demandé des professeurs, parce que je dis, je suis à l'école, regardez un seul professeur qui gagne. Je m'a demandé pour nous accompagner, nous, pour nous garder professeurs, pour nous travailler, pour nous passer une bonne année scolaire. Ah, un bon sentiment, parce que je suis content, moi, tous les amis, moi, là. Et
avec tous les élèves qui nous voient, je suis content. Je suis content pour l'autorité de faire des bons bagages pour être capable d'aider l'autre et les parents qui sont capables de voir les gens qui viennent apprendre avec des matériels. Je suis content pour l'autorité de faire des élèves qui font des bagages pour voir des matériels pour travailler à l'école. Je suis content. Ouverture de classe aujourd'hui, comment Noël? Noël, tant que tout. Enfin, depuis des années, c'est comme ça la poêlie. Nous n'avons pas gagné 20% d'élèves qui sont présents aujourd'hui dans l'école. Pour qui ça? Les élèves qui ne sont pas présents, ils ont acheté des souliers. Les élèves qui ne sont pas présents, parce que l'uniforme est pour prêt. Les élèves qui ne sont pas présents, canet ont toujours été dans la direction. Quand il y a 6 fois à regarder ou après, tout le canet est dans la direction. C'est ça que je me toujours dit. Moi, je dis ça pour la société attendez, pour le gouvernement attendez. L'école en Haïti, quelle que soit l'école là, l'école privée en Haïti, ce n'est pas une entreprise économique, mais c'est un champ d'action de service au service des pauvres. Nous recevons avec le même sentiment, nous toujours gagné. Et nous contents de ce que l'élève retourne encore à Nessa. Je viens prendre le pain de l'instruction. Malgré que c'est dans une condition vraiment difficile. Mais quand même, nous ouvrons la porte. Nous. Et nous attendons. Parce que nous avons un petit nombre. C'est toujours ainsi chaque année. Mais nous espérons d'ici la semaine prochaine, il y a une possibilité pour nous venir. Mais comme on connaît, gagner un phénomène de matériel là qui bail en pile problème et cela chaque année, c'est peut-être ça qui empêchait élèves de venir aux parents et tout. Mais toujours est-il nous gagner un uniforme disponible dans l'école là pour élèves. Bon, on encourage tous les parents, c'est l'idée à voir, nous pas de problème comme moi dis. Nous avons un uniforme. Dès que l'élève a venu, nous déshabillons comme chaque année au Noël. Nous habillons, nous mettons un uniforme normalement. Il rentre la caille avec un uniforme. Et pour matériel, nous encourageons les parents à acheter matériel. Parce que si l'élève a venu, c'est travail, il vient travailler. S'il n'a pas de matériel, il ne peut pas travailler. Il est vrai, les livres viennent excessivement cher. Mais nous encourageons les parents à faire un petit effort. Pour procurer les vieux matériels pour professeurs de travail. Nous gagnons 6 salles disponibles pour l'école là, à raison de 55 élèves par salle. Nous à 450, c'est-à-dire qu'au moins, nous gagnons attente pour 500. Moi, je souhaite tous professeurs, parents, élèves, bonne année scolaire. Et m'encourager le ministère là. Ça le café pour élèves, pour le faire. Parce que parents, ils ont une situation vraiment précaire. Autant de fois, ils ont aidé les parents, c'est très bon pour nous. Et m'encourager aussi le PNCS à arriver bon côté nous. Parce que les beaucoup arriver bon côté nous. Nous, pour parler, certainement, qu'on a pour retourner encore. Même Jean Confel pour venir ouais Timonio cap manger, nous encourager le PNCS à faire le nécessaire. Le matin pour cette première journée de la rentrée, l'impressionnant c'est que les parents n'ont pas vraiment répondu à l'appel. Probablement, est-ce que c'est parce que l'école a ouvert une mi-temps semaine déjà un mardi. Vous savez, la tradition chez nous est tellement forte que il y a tout le monde à prétendre lundi prochain assurément pour voir les timons à l'école. Parce que là, nous pouvons recevoir 40% de effectifs. Dans le Brésil, l'école du Brésil,
si pas gagné une situation difficile comme par exemple tremblement de terre ou cyclone, nos enfants répondent toujours à 95 pour ne pas dire 100% à l'appel. Depuis nous dit l'école depuis premier jour, tout le monde parce qu'il connaît que faut qu'il vienne quimber place. Quimber place à voir ici c'est un bagage qui est extraordinaire, c'est grand pile petit monde meilleur élève nous connaît que faut qu'il est en venir pour prendre place devant au rang des premiers. Ce qui fait que ils ont toujours là à l'heure. Nous étonnés pour nous matin, nous pas ouais. Donc moi dit probablement c'est ça. Mais deuxième élément qui est à la base de ça tout, c'est parce que clientèle que nous gagnons en République du Brésil, c'est clientèle qui sont immatissants avec village de un village là. Donc deux entités ça fournit un petit monde à République du Brésil. Et il arrive que avec situation politique là tout, nous qu'à comprendre ce qu'a privé là. Parce que l'année dernière, dans mi-temps année, c'est un petit monde, nous pas ouais qui viennent l'école encore parce que soit maison t'est brûlée, etc. Donc nous pas trouvé. Donc il y a en province. Donc, est-ce que nous pouvons retourner encore? Nous demandons, est-ce que c'est toujours situation ça qui prévaut ou bien est-ce que c'est un yaptan lundi? Eh bien, il ne nous reste donc qu'à attendre parce que faut que nous jouions un petit monde pour nous connaître côté. Mm-hmm. Troisième élément, tout, c'est que avec ce phénomène de nous avons dit famille ovine vraiment désargentée. Mettez-moi l'expression. Eh bien, moi-même, je dirais que le ministère doit s'arranger. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est vrai, la situation économique est difficile. On sait que la politique aussi qui prévaut aujourd'hui pose problème. Mais qu'on s'arrange à faire quelque chose pour ces écoles publiques. Bon, deux bagages qui sont fondamentales par rapport à l'école là. Pour les bagages qui viennent dans l'esprit nous avec qui sentiment que nous-mêmes nous choisissons, recevoir les élèves, comme étant donné l'école là sur l'école de l'État, et le ministère là lui-même qui là qui a administré au nom de l'État ici, nous avons pour devoir nous-mêmes obéir avec exigence ministère là, qui t'a dit, qui t'a passé l'ordre, qui t'a passé des instructions formelles, qui t'a dit qu'il faut que l'école là réouvre à partir du 21 septembre. C'est dans l'optique ça, tout personnel administratif là répond à l'appel. Quand des enseignants répondent, même si effectif élèves ne pas répondre en grand nombre, mais nous avons une quantité raisonnable qui permet de commencer académique de façon gracieuse. Nous connaissons le pays qui a traversé une situation économique vraiment difficile. Comme le pays a traversé une situation économique difficile, tous les parents n'ont pas les mêmes moyens pour répondre à l'appel. Mais nous pensons de façon progressive, semaine ça, ou bien commence par semaine là, qui donc jeudi mardi, au cours de semaine là, de jour en jour, effectif là a grossi. Effectif là a augmenté qui prend faciliter plus élèves répondre à l'appel laisse pas moi des moyens économiques assez suffisants pour y répondre parce que tout parent pas de gagner même moyen et nous était quoi l'école là malgré l'ouvrir 21 septembre le matin c'est pas tout parent qui était à jour par rapport à la réalité ça c'est ça qui fait nous gon petite chance là nous effectif là par rapport au grand nombre mais nous quasi nous à 30 à 40% par rapport à effectif total nous dans l'école là pour aujourd'hui même pas c'est d'ici demain après demain au fil du temps n'a bien effectif qui est raisonnable, qui répond à l'attente nous. Et dès lundi prochain, l'école là a réouvert de façon automatique pour toute classe nette en général, laisse à tout effectif là de façon correcte dans le lycée. Malgré professeur et tout, quand des enseignants, c'est des parents qui parents responsables qui ont, mais malgré tout, ils ont répondu à l'appel, ils ont fait signe de présence, ils ont regarder l'environnement, ils ont regarder comment si ont répondu, comment effectif là été, ils ont regarder comment ils sont capables d'essayer de garder nouvelles décisions, nouvelles dispositions que l'administration mettait en branle pour faciliter, pour recevoir les vieux dans le niveau ça là. En fait, je dis à la moins venir avec et un sentiment de joie, côté que c'est premier, je l'école. Et que moi content de rencontrer tous mes camarades noyau et ensemble avec nouvelles venues et tout. En tant qu'élève NSCAP, donc plus gros plan, c'est travail pour capable passer l'étape finale, qui c'est examen officiel que déjà tout élève NSCAP a obtenu. Après ça, exactement depuis nous passer, nous connaissons que faut gagner université, faut gagner tout ça. Donc, plus gros plan, c'est réussi, examen final. Message pam pour tout le monde qui peut gagner moyen, qui peut gagner moyen pour capable belle, même gens ensemble avec qui peut gagner opportunité pour venir à l'école. Je pense que ma souhaite au courage parce que gagne temps toujours pour y préparer. Et je pense que l'étape bon tout si les gens qui n'ont pas de moyens, c'est qu'il y a des gens qui viennent en aide.
parce que c'est pas tout qui gagne moyen pour venir à l'école. Si tu as organisation qui te prend ça en charge pour bailler petit monde qui pas gagne moyen yo pour venir à l'école, parce que si tu as aide, ça t'a bon. C'est avec un grand plaisir et un grand joie que je dis à venir à l'école. Bon, c'est pas tout le monde qui gagne occasion. Tout le monde qui gagne occasion aujourd'hui à venir à l'école. Mais pour moi, c'est un grand plaisir pour moi de venir à l'école aujourd'hui. Le projet que j'ai pour Anessa, c'est réussite et puis travail. Parce que grâce à ça, pour moi, arriver à faire l'autre projet. Pour le compte du lycée Toussaint Louverture, pour et reprise des cours, des classes et pour l'ouverture de et l'école, là, j'en ai été fixé ce mardi 21 septembre 2021. On a remarqué que déjà nous en poste pour nous recevoir les vieux, déjà pour nous répondre à l'appel et pour nous participer joyeusement et puis professionnellement tout et à cette belle rentrée que nous-mêmes nous attendons, parce que déjà 3 mois de vacances côté Timothée était là, Caillou était en attente tout qu'il est pour l'école la reprendre. Et Mathis a fait nous là tout pour nous capables non seulement complimenter les parents, d'ailleurs remercier le gouvernement qui permet que l'école là retourne. Et nous féliciter parents et tout qui engagé dans la question de l'école là. Et après que toute la communauté environnante qui décide et qui porte contribution morale tout matin dans la réouverture des classes. Histoire de réouverture des classes, c'est surtout pour le lycée et graduellement au fait. Donc pour nous-mêmes là, c'est que l'école là, c'est 20 septembre 2021, nous là, et graduellement, les vieux venir. Je veux dire, nous devons rentrer administratif, comme tout ça que, côté que le directeur, les censeurs, les surveillants généraux, et toute l'équipe administrative nous présente, nous sur les lieux, nous là, ensemble pour nous garder format, pour nous garder qui ligne la baille et année scolaire ensemble. Et ça que tout de suite après l'interview, ça m'a une réunion administrative, parce que je veux dire, donc, non seulement c'est la rentrée administrative, mais également, c'est rentrer des élèves et, pour avoir remarqué élèves qui sont dans NS4, élèves qui sont dans NS4 à partir de 2 filières, nous avons SVT et SMPO, ou après nous avons un pile échantillon qui est arrivé pendant l'appel, qui vient à l'école là, l'école là, les gonds décor, ou peinture, l'école là va avancer très bien, et élèves sont très joyeux, puis pour moi et tout, pour nous avoir une communion académique, pour nous avoir une communion spirituelle, et pour nous avoir une communion familiale. Déjà, le lycée Toussaint est prêt. Nous prêts nous-mêmes parce que ce n'est pas aujourd'hui à après. Nous avons une programmation que nous déjà prêts, nous avons des élèves, nous avons des professeurs déjà qui passent en salle, qui a communiqué les premiers bonjours et avec les premières notes de motivation. Nous avons souhaité, nous avons demandé, nous avons suggéré, nous avons souligné, nous avons fait appel avec tous les membres, tous les acteurs qui sont dans l'éducation. On nous met ensemble pour nous faire Haïti réellement une zone de formation et d'éducation, non seulement pour nous, pour demain, pour le pays, et pour nous avoir un Haïti qui s'ouvre au développement. Sans haine, sans bousculade, et nous sommes capables de dire sans conflit. Parce que l'éducation est la seule zone qui permet de nous retrouver notre vraie identité. Sans éducation, on a perdu. Et c'est la plus belle. Et la plus belle façon pour nous retrouver, nous, c'est l'éducation. Et sans l'éducation, c'est un peuple qui est appelé à perdre l'identité. Et non pas là pour nous perdre l'identité, non. Nous là pour nous affirmer, nous, pour nous afficher, nous. Et nous là pour mettre sur l'écran du développement mondial. Le premier jour là, je suis déroulé assez bien grâce à Dieu. L'école là pas trop vraiment pour un jeune nous souhaité là, mais élèves sont venus quand même. La classe là, bon, pas de majorité, mais élèves sont fait effort capable. Je souhaité l'école là était ouverte avec bon, plus chaleur, plus gaieté. Pas manqué trop de bagages passer ça, mais. Présence de notre camarade nous manquait. On n'a pas tant de bagages à passer bien quand même. Même si tu as quelques bagages qui vont venir après, nous allons connaître. Mais nous pensons que les bagages vont passer bien. Le premier jour de l'école, là, n'est pas trop normal, mais nous jeunes professeurs, mais nous croyons que nous jeunes professeurs, au fur et à mesure, nous jeunes plus professeurs. Parce qu'on est offert pour faire. Je ne pense pas qu'entrer à l'école, tu as bien quantité d'élèves. Ça, moi, si tu as bien plus d'élèves, mais moi. Quantité d'élèves, moi c'est que tu as bien, moi pas la même quantité, mais quand même, nous travaillons, ça me dit besoin, de besoin que nous travaillons, mais nous travaillons quand même. Je te prépare pour monter l'école, là, mais je ne suis pas trop satisfait parce que ça me dépense et va souffrir. Nous t'attendons à jeune l'école là, bourré avec élèves, et puis nous jeunes professeurs, normal, j'ai besoin de professeurs, comme ça va.
élèves de retour. Nous comptons de ce que l'école a ouvert parce que nous avons fait trop de jours. Là, quand même, de ce que pour une situation, déjà qui paye à TIA, nous comptons vraiment satisfaits. Non, parce que même là, comme si nous pas tellement au maximum de professeurs qui viennent avec tout, au maximum de nombre de élèves qui peuvent venir, hein, mais au maximum, même quoi, nous jouons quantité quand même, qui viennent avec tout, nous jouons déjà, mais nous par contre, nous pouvons rester 3 jours, si comme c'est assez de satisfaits, si nous devons c'est comme si pour nous jeune. Mais après ça, nous comptons de ce qu'est l'école de la construction, tout bien, nous satisfaits de tout bien, après ça, nous comptons de ce qu'est ma peine définie. Donc il fait pour y avoir un dictat, fait pour y avoir, nous faire nous qui agissons, nous faire nous chanter, et puis pour y avoir quelques principes, comme si pour l'avoir respecté, quand on presse comme si pas de pantalon skinny, pas de gros cheveux, et puis il dit comme ça qu'il bien que pour ça travailler, téléphone interdit. Donc si vous savez comme si élevé, comme si perturbé ça le cas ça, et pour chercher votre téléphone, soit au moins dire sur votre téléphone, donc vous pouvez téléphoner à l'aide, que ça qu'il faut. D'accord, dès que des principes directeurs abaillent. Pour satisfaire de ça. Avec tout, quand on reste tout, il y a des gens qui respectent. On t'a pensé comme si pour tout bas la machine normalement, pour t'en bouger en avant, pour penser que pour t'en faire comme si au maximum de 9 mois, sans problème, sans tentation, juste pour tout penser, de concentrer le travail, pour étudier, puis tout, pour pouvoir surtout comme si tout respecter les mêmes principes pour tout venir normalement. Ah, mais le point, quand même, comme si on t'a allé à l'école, on t'a allé comme si que, premièrement, pas ta douce, deuxièmement, pas ta manifestation, troisièmement, tout, faut que tu as incité, et quatrièmement, tout, faut que tu as venu, et comme si chaque professeur, chaque professeur, comme si nous donnons, comme si on joue avec, exact, faut que tu as respecté les règles, faut que tu as respecté le jeu, comme si on gagne en vrai, comme si on gagne, faut que tu as venu normalement pour le travail, sans problème, parce que pas d'accord, c'est comme si l'autre lycée, comme si qui n'est pas comme si des profs, mais c'est comme d'accord, comme si tout lycée net, moderne, dans le pays, travail normal sans distinction juste pour elle comme si d'une bonne manière ou bonne satisfaction juste pour elle comme si réussi parce que par rapport à cette filoua et n'est la banissa on t'a pensé comme si l'autre année soit quelqu'un joue qui nous prend pour nous chacun comme si nous sommes réussi et puis nous travaillons normalement nous faisons groupe de travail plutôt pour tout comme si les plateaux de discipline comme si pour tout comme si gagne comme si tout pour tes toilettes tout bas normalement il est clé normalement et ça me d'accord sur tout bas nous d'amis tout bas bien passé sans le distinction sans violence. Okay, so the ball is
Normalement, c'est une force réouverture. Et comme d'habitude, donc on réouvre avec les classes d'examen, particulièrement et 9e avec S4. Mais je veux dire, je constate là, où est qu'il y a quelques élèves dans S4 là, quelques élèves dans le 9e. Mais les conditions n'ont pas réunies pour nous réouvrir. Et on regarde les bâtiments là. Depuis 2010, il était pour un frappement et plus mois que ce passé encore. Il frappait. Malgré nos ferrats pour vous y aller, tu as une réunion des directeurs, j'étais là. Mais non dit tout ça, pas j'aime qu'on ait fait. Maintenant, est-ce que vraiment l'État central ou bien le ministre de l'Éducation nationale, il dit l'ouvre, l'école, est-ce qu'il ouvre pour le lycée pour t'y lui? Mais dans la dynamique, nous-mêmes, dans le lycée, nous qui faut que nous fonctionnions. Et nous faisons, nous mettons dans quelques salles là, qui plus ou moins tel que en gars. Mais les conditions n'ont pas réuni nous-mêmes pour nous réouvrir. Est-ce que l'État a ouvert l'école? Bon, insécurité. Insécurité, vous avez gardé pendant là, il faut des bruits balles. Et puis tout, même si tout le monde a une volonté pour venir, il n'y a pas de problème. Problème politique là, il est complexe. Il y a un problème politique au point de vue physique. Il y a une politique nourriture. Et encore, il y a une politique économique. Il n'y a pas même 1000 gouttes là, il n'y a pas de venir à l'école là. Il n'y a pas d'acheter un uniforme. Ça veut dire que l'État, normalement, il n'y a pas de répondre avec besoin, les besoins fondamentaux. Comprendre mes directeurs là avec moi-même, nous avons fait fort quelques petits monde qui viennent, nous recevoir, mais nous ne connaissons comment ça caille dans le jour qui vient. Parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que nous n'avons pas assez sale. Ou après l'école là qui fait sur le fort là, vraiment nous n'avons pas capable de nous entrer en bas et côté salio qui n'est pas capable de fonctionner. Vous comprenez, les conditions ne sont pas réunies parce que vous avez gardé le fusil là. Ça n'est pas fusil encore. L'école l'a crasé. L'État connaît, il connaît depuis 2010. Yo connaît ici à l'île praticable, pour nous c'est le pire. Nous pas comprendre pour ça, pas accessible du tout pour lycée Fritzpierre lui, c'est tout matin. Hein. Nous pas comprendre, mais si nous venons, il faut que nous recevions. Pour nous bien content de la Radio-Télé-Guinée, ou là, je pense ce message-là. Tout passe une fois pour tout, je pense que y a fongé, y a une fongé avec nous, pour dire côté à vous, et puis pour nous venir ranger local là. Non blanc, normalement, nous ne pouvons pas l'école, nous ne pouvons pas 1% de monde qui vient là, non. On dit combien pour nous blanc, nous avons supposé 1000-1500 de monde, nous ne pouvons pas 100 de monde qui vient là. Vous et ma prédou ça encore comme révision, madame, messieurs, dames, radio télé Guinée, côté que local n'a pas accessible, si vous n'avez pas venir tout qui côté nous avons recevoir. Il y a deux trois graines qui viennent. Normalement, nous recevons pour faire un travail. Ok, pour faire un vin, vous regardez nos pays, côté que malgré vous, c'est beaucoup touché. Vous prenez, vous avez un aéré, vous avez un mois d'août là, beaucoup touché. C'est ça que nous pouvons toucher. Mais pour faire un vin, hein? Pendant que vous êtes venu, il y a quelques petits gens qui viennent, nous encourager. Mais si l'autre semaine, si nous allons venir, qui côté nous mettre pendant que vous êtes touché tout. Le problème, c'est comme si nous avons l'État qui dit que il n'y a pas besoin d'éducation. Il n'y a pas besoin parce qu'il connaît cette éducation, comment il est capable de réveiller. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des classes. Et en fait, avec un peu de difficulté, mais nous-mêmes, et donc déjà nous prêts. Nous devons faire une réunion avec les professeurs. Nous devons faire une réunion et nous devons faire un travail, même si c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Ou même quand il y a qui est arrivé là, vraiment l'école là, et l'école qui passe depuis 2010. Il y a un film qui vient faire pour venir reconstruire l'école là. Et depuis environ 4 ans, il y a une crise de situation. Il est obligé d'aller quitter nous. Et avec tout le bout de fer là, qui représente un danger vraiment imminent pour les gens. Donc c'est un travail difficile, mais il n'y a de même pas moins que nous travaillons. Vous comprenez? Ils mettent dans mes pieds bras, même nous avons travaillé avec Timonio. Vous comprenez? Mettez dans mon pied bras, même pieds bras, nous avons travaillé avec Timonio. Il n'y a pas de problème. Pour ça, nous là, nous organisons. Pour qu'on ajuste, nous vous mettons en pile avec ça. Même si c'est un peu difficile de mettre des masques là, mais nous contraignons de mettre des masques là. Même si nous sommes déjà dans ça. Même si quand on veut tout le monde mettre des masques, pourquoi pas être mis ça? Mais quand on veut retirer, nous comprenons la situation, mais. Ils mettent et puis nous gagnons des points d'eau qu'ils mettent pour se laver mais eux on voit que ils n'ont pas de faire du cadeau on achète nos savons de laver mais eux surtout ils n'ont pas le manger ils n'ont pas le manger dans la création il y a plein de bagages mais ils jouent pour laver mais eux en gros c'est ça nous prenons comme profession pour la vie. Alors bon lycéen dans l'école là où c'est encore les gens qui là mais moi-même du côté fondamental moi j'ai eu environ
faisait 6 environ 18 salles de classe. Alors plus une petite salle de classe scolaire qui bon, bah, est même faire ça comme salle. Et est-ce que nous avons plus de vacances? Et je dirais oui, mais moi-même c'est pour les groupes AM moyen. Et il y a une année dans la baille pour l'envoi par l'après-midi, à partir de midi et demi. Parce que moi-même, quand bon, midi et demi, il est même vacances pour pas fini. Pour matin là, non, pas encore. Nous pouvons faire assez après, dans les salles de classe, on va le garder. Nous avons fait plus ou moins un approche. Nous avons gardé pour nous effectivement comme ça. Et nous avons communiqué tout avec BDS nous, là, du côté du tabac. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, cap, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.